Je m'appelle Charlie Laurent, j'ai 21 ans, bientôt 22. Je suis étudiant en deuxième année de LEA anglais-espagnol. Je fais du football américain depuis à peu près 3 ans, si on compte les années Covid. Alors oui, j'ai pratiqué le rugby en début d'année, parce que c'est un sport que j'ai fait pendant plus ou moins 5 ou 6 ans. Et du coup, j'avais envie de retrouver des sensations. Je fais aussi de la musculation, évidemment, et j'ai aussi été coach dans l'équipe de football américain. Palmarès, bah, étant donné qu'il y a eu 2 années Covid, j'ai pas grand-chose au niveau du football américain. J'en ai un peu plus au niveau du rugby, donc j'ai été champion régional, champion départemental aussi, dans les catégories plus petites. Et au niveau du football américain, là, donc, avec mon équipe, les Lions de Bordeaux, on est en deuxième division nationale. On est actuellement en bonne position pour les playoffs, donc pour les phases finales qui arriveront courant juin. Sportivement parlant, j'aimerais bien m'imposer au niveau de mon équipe pour être un leader, un playmaker, comme on dit. Et évidemment, être champion pour pouvoir monter en première division. Et essayer de gratter quelques places au niveau des listes nationales pour l'équipe de France et potentiellement partir dans d'autres équipes à plus gros niveau à l'étranger. L'un de mes meilleurs souvenirs sportifs, c'était à un de mes premiers matchs de foot quand on a gagné le quart de finale national et qu'on s'est qualifié pour les demi-finales. Du coup, c'était mon tout premier match. J'avais 19 ans et il y avait une super bonne ambiance et j'étais hyper fier d'être dans cette équipe-là. Par rapport à mes missions, donc je m'occupe de tout ce qui est AS, donc association sportive, donc c'est moi qui gère les compétitions, c'est moi qui fais les licences des étudiants qui veulent justement faire de la compétition au sein de l'université. Et ça m'aide beaucoup à gérer une structure, à apprendre à gérer une structure, que ce soit plus tard si je veux par exemple gérer mon propre club, gérer une équipe ou quoi que ce soit. Et c'est une très très bonne expérience et j'en retire que du positif.